contact. Oh là, la porte à droite, je sais pas. Il l'a pas eu. Au fond, derrière là-bas. C'est celui qui m'a tué qui était dans le petit couloir derrière le bon site. Attends, il est où? Gauche ou petit couloir? Moi je crois le petit couloir. Non, petit couloir poulet. On va le savoir dans deux secondes. Il va décaler en face. En face Mary, là, ici. Bouge pas. Vas-y lent et décale le lent poulet. YOLO! Ça c'était lent. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Allez, let's go. Sinon. Les gars, comment vous voyez dans un an sur Rainbow Six? Oh, bah, avec 10 kilos en plus, mec. Devant l'écran, des boutons sans gonzesse, au chômage. Si un jour, demain, alors que tu leur dis. Vous, imagine, je te donne un exemple. Avec ton équipe, ouais. Vous décrochez les qualifications pour la Challenger League. Canadian vient te voir, il t'a repéré et il te veut dans son équipe. Tu fais quoi? Ok. Ben, tu pars en Pro League avec Canadian ou tu restes en Challenger League avec tes potes? Ouais, je vais aller avec Canadian. T'es une grosse pute. T'es vraiment un gros connard et on arrêtera le live là-dessus. Les Québécois sont des gros enculés et c'est ce qu'on voulait lui faire dire. Et ben voilà. Ah, ben ça arrache tout en face, hein. C'est relativement appréciable. Ouais, bonne analyse, mec. Bien, Welsh. À quand le cast? Et d'un autre côté, tu le cherches, hein, Mary. Je l'aime bien, mais je l'aime bien. Tu sais pourquoi je l'aime bien, lui? Attends, ferme ta gueule. Je vais te faire un compliment, donc ferme juste ta gueule. Et je te jure, je te viens du Discord. Je l'aime bien parce qu'il a de la répartie. Et j'aime beaucoup les gens qui ont de la répartie. Voilà. Merci. Mais toi, t'en as pas? Pourquoi? Ah ouais, mais toi, t'en as, toi, ça se voit. Ouah, la grosse vanne. Il s'aime pas, c'est pas de sa faute. Mais. Ouais, non, en fait, je retire ce que j'ai dit. Mais j'ai déjà casté, si tu veux savoir. Mais c'était un cast de merde, hein, mais j'ai déjà casté. J'imagine. Non, mais ça, on s'en doute, on s'en doute. Bah, c'est bien ça. Ça fait des belles abonnements. Et je disais, mais y'a le ping, et il me disait, mais non, c'est pas un peu. Allez, la ligne trou de balle, mec. Allez, remballe. Bah, vas-y, bâclé. Un dan 2v1 les gars. Va le décale. Il est pour moi là, je l'entends non? Ouais. Il arrive. Les deux. À gauche. À droite. Nice, ah. À gauche. Ah. C'est le premier que t'as vu. Ouais, c'est ce qu'on veut avec des grosses boules. Pardon, mais pourquoi? Pourquoi? T'as pris tes médias ou quoi? Je suis bizarre. Siscap, penses-tu essayer de passer diamant en solo queue? Ça va être plus. Non. Sur Rainbow Six, franchement, il faudrait donner la Légion d'honneur à tous les géants qui arrivent à être diamant en solo queue. J'y crois pas trop. Il y a pas de solo queue parce que tu vas tout le temps tomber avec des mates. Oui, mais c'est du coup quoi. C'est con hein, donc t'es jamais solo en fait. Non mais c'est la queue. La queue ça veut dire l'attente solo, c'est tout en fait. Ah il vient d'apprendre un truc l'autre. C'est rentré. C'est ressorti, main. On a les smokes. Dernier agent, hop. En haut, derrière t'as la trappe. La trappe de A. Bien joué. Et par rapport à la question que Mary a posée tout à l'heure, les autres vous en pensez quoi? Storms par exemple. Bah c'est sûr que vous cherchiez un moyen de faire. What the fuck was that? Bah c'est sûr que vous cherchiez un moyen de faire passer la. Bah c'est sûr que vous cherchiez un moyen de faire passer la. Bah c'est sûr que vous cherchiez un moyen de. Bah c'est sûr que vous cherchiez un moyen de. Si tu prends un rook, Mary prend l'assist TV. Vas-y, ça marche. Yegor? Est-ce que le diamant console est plus easy que le diamant PC? Non, il n'est pas plus easy, pas du tout. Puisque à partir du moment où les personnes ont les devices complètement différents, quoi. Et en plus, un diamant PC va avoir du mal à être diamant console. Et un diamant console, vice-versa, s'il a jamais fait de clavier souris. Donc non, c'est pas vraiment comparable, en fait. C'est pas plus easy. On peut pas dire ça. Alors j'avais regardé ce petit truc là avec King George, je crois, qui m'avait fait voir ce petit setup sympathique. J'ai pas d'accord, je
je vais être en train. De l'objet pété. L'eau derrière de l'autre côté là-bas. Bien joué. Non, au-dessus de moi. Non, je sais pas. Mort. Au-dessus à la trappe. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Et ouais. Ce setup double Mira, il est vraiment. Dévastateur, mais j'avais pas du tout vu que. Je le connais pas du tout, c'est la première fois que je le faisais. Et du coup, c'était King George, je crois, qui l'a fait voir sur son truc. Très sympa. Très stable. Dites-nous un petit peu s'il y a des questions qui vous sont venues pendant le truc, etc. Et Storms, t'as parlé, il me semble, Slayen, t'as parlé. Fuegan, t'as pas parlé sur le fait que. De savoir si A3, ce genre de truc, ça te va. On dirait un plan, un vieux plan. A3, ça te va, ça te vient pas. Ouais, si je mets un petit doigt de temps en temps. Intéressant. Ça... Après, je pense qu'il y a plus de conseils quand tu coaches qu'un seul gars. Après, c'est comme tu disais, vu que t'es pas derrière un autre cam de tout le temps, tu peux pas déceler. Bah, au final, tu vois les... Enfin, trop de défaut, quoi. Après, j'ai fait exactement la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire que en règle générale, sur Typee, nous on le fait pas, mais maintenant on le fait de plus en plus. C'est-à-dire que les personnes qui ont fait un don assez généreux. Emporte un petit peu tous les contreparties qui sont en dessous. Normalement, pas mal. Il y a des gens qui font ça sur Typee. Pour eux, c'est une espèce de truc pyramidal, alors que nous, c'est pas comme ça. Mais là, c'est la même chose. En dessous du TeachMe, il y a les analyses de vidéos. Donc, si vous voulez m'envoyer une analyse de vidéo d'une enquête que vous avez faite, que vous avez trouvé. Vous n'avez pas compris. Il y a un truc que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris pourquoi vous avez été aussi bon, ou vous n'avez pas compris pourquoi vous avez été aussi mauvais. Ça serait une super vidéo. Et moi, je l'analyse et je vous fais un retour par écrit, propre, etc. etc. Et ça, je sais que ça vient compléter. Tu me le mets sur YouTube en eau répertoriée, tu m'envoies le lien et je m'en souviendrai. Et ça, comme ça, moi, je peux voir. Je peux vraiment voir un truc à un moment que vous avez analysé qui était problématique. Problématique parce que trop bon ou problématique parce que vous avez vraiment fait de la merde. Vous n'avez pas compris. Et après, moi, je peux plus l'analyser parce qu'une fois de plus, ce soir, j'ai été sur. Je vais jamais sur vos vues, quoi. Pourtant, au dernier match, t'avais le temps. C'est une question intéressante, mais un peu généraliste, c'est vrai. Et on rentre pas dans le détail. Mais vas-y, Myri, je t'en prie. Tu devais avoir un truc intéressant à dire. Ouais, je t'ai clashé. Est-ce que tu penses qu'un jour. Qu'on verra le e-sport, discipline olympique. Alors, tu poses la question à la mauvaise personne parce que moi, mon avis sur l'e-sport dans les Jeux Olympiques, c'est j'en ai rien à branler, en fait. Mais genre vraiment j'en ai rien à branler. Voilà, l'e-sport s'est fondé tout seul. Moi je suis un peu je remercie toujours les personnes qui ont été là depuis la première heure, tu vois, les personnes qui ont été là toujours depuis la Salty Academy. J'aime bien les trucs qui se sont faits d'eux-mêmes sans avoir besoin d'eux, tu vois. J'aime pas le changement. Et par définition, l'e-sport c'est un truc qui s'est fait tout seul, qui s'est inventé tout seul, qui s'est créé. Moi je faisais j'allais dans des gymnases avec ma putain de Twingo à l'autre bout de la France pour gagner au mieux un sandwich SNCF et une tape sur les fesses, quoi, tu vois. Et ça c'est comme ça que c'est parti de rien du tout. Et j'ai pas envie que le sport ça fout, enfin les Jeux Olympiques ça fout le bordel partout, quoi. Regarde le surf par exemple, je crois que ça y est ou ça n'y est plus, enfin je sais pas. Tokyo, ouais. Je sais pas, l'e-sport c'est un truc à part et ça va pas être dans les Jeux Olympiques pour moi. Et même si ça peut donner une belle visibilité, etc. Mais... Non, mais est-ce que ça donnerait une belle visibilité à l'e-sport ou plutôt au CIO pour vendre des billets, tu vois ? Est-ce que le CIO a besoin de l'e-sport prochainement pour continuer à vendre des places, quoi ? Non, je pense que non. À partir du moment où t'as du foot, à partir du moment où t'as des sports qui sont beaucoup plus regardés, les geeks que nous sommes regardons aussi des sports. Enfin, je sais pas vous, mais moi c'est le cas, tu vois. Et il y a encore beaucoup de gens qui regarderont de toute façon les Jeux Olympiques. Donc peut-être qu'à un moment ils se rendront compte que effectivement l'e-sport est tellement intéressant qu'il ne peut pas être intégré dans les Jeux Olympiques. Mais maintenant, sans vouloir rentrer dans les valeurs, parce qu'il y a aussi le côté des valeurs, c'est clair que les valeurs du sport, Pierre de Coubertin, quand tu dois mettre poser des bombes et tuer des gens, c'est compliqué de le faire digérer à la masse de gens, ce genre de truc-là, quoi. Pour eux, ils voient des terroristes contre des contre-terroristes, tu vois. Mais tu penses que le CIO, ils ont encore des valeurs vraiment importées. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le Jeux Olympiques, c'est un business et ils ont besoin de faire des chiffres d'affaires.
Enfin, c'est comme on voit McDonald's qui sponsor des jeux. Non, les Jeux Olympiques, c'est pas un business. Je sais pas quel est le business model derrière les Jeux Olympiques, mais c'est pas vraiment un business. Hein. Les Jeux Olympiques, enfin, c'est un business. Ce que ça développe, mais pas pour le CEO. C'est pas une entreprise, le CEO. Il me semble pas. C'est un comité. Donc, les Jeux Olympiques, en revanche, c'est un business dans la ville dans laquelle ça va arriver. Parce que c'est de la construction, des machins, des emplois, etc. etc. C'est pour ça que, bah, il y a beaucoup de enfin, ça dépend, mais il y a beaucoup de villes qui parfois veulent complètement les JO, quoi, ou n'en veulent parfois pas du tout, parce que en revanche, derrière les infrastructures qui restent pendant des années, etc., c'est compliqué. Donc, c'est pas un business en soi, c'est vachement politique le CEO en fait. J'ai un point de vue à dire là-dessus. Ouais, beat, ok.